بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة إن شاء الله في في حديث رواه الإمام البخاري في في الصحيح وكذلك يعني في صحيح مسلم في حديث قدسي يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسعة مئة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقالوا يا رسول الله واينا ذلك الواحد قال ابشروا ابشروا فان منكم رجلا ومن يأج وما جؤج الفا ثم قال والذي نفسي بيديه اني ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه فكبرنا فقال ما انتم في الناس الا كشعره السوداء Dans un hadith authentique rapporté par le le Muslim, il nous est mentionné quelque chose d'important. Ce hadith, c'est un hadith divin. Donc c'est Allah qui parle à travers ce hadith, mais à travers les mots du prophète Mohammed sur Et il lui dit, il dit, ô oh, fils d'Adam, sort donc euh, le fils d'Adam répond Adam al salam, donc... Euh, il y a Adam plutôt. Il y a Adam, oh Adam. Et donc Adam répond, voilà, oh je viens à toi, je, je réponds à ton appel et le bien est entre tes mains. Et ensuite il lui dit, donc, euh, sors, donc de de sors de ta progéniture les gens de l'enfer. Sors de ta progéniture les gens de l'enfer. Et donc Adam dit, qui sont-ils Et il dit, eh bien, de chaque... Un groupe de 1000 personnes 999 sont en enfer donc de groupe de 1000 personnes que tu vas sortir 999 sont voués à l'enfer et il dit certes eh bien on y voit on y voit l'enfant qui devient qui a les cheveux blancs on y voit la femme qui donc enceinte qui donc euh, accouche et lorsque tu verras les gens aussi eh bien qui sembleront euh, donc euh, comme euh, enivrés mais alors qu'ils ne le sont pas et cela rappelle le verset coranique et par rapport à la situation de l'au delà c'est-à-dire que vu la situation de l'au delà de la, de la situation de ce à quoi les gens seront exposés on dit eh bien les enfants auront, auront, auront donc les cheveux blancs pour dire que le souci de la situation, du fait de rendre des comptes et de se retrouver dans cette situation, va faire que les enfants vont avoir les cheveux blancs. Par souci, par angoisse. Et certes, la femme qui est enceinte accouchera de par le fait du stress. Et les gens sembleront comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. SubhanAllah. Et ensuite, certes, il est dit, et certes, le châtiment d'Allah est terrible. Et ensuite, les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont dit à ah, Rasulullah Mais qu'en est-il alors du pourcentage, là, du peu de pourcentage qu'il reste des gens qui entreront au paradis Et qu'est-ce que dit le prophète Il dit Bonne nouvelle, prenez la bonne nouvelle, abshurou Prenez cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle. Et il dit Certes, les gens qui constitueront. Le plus grand nombre de ces gens voués comme cela au châtiment sont les gens tirés de Gog et Magog. Sont tirés de Gog et Magog. Et il dit Et par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'espère que vous allez constituer le tiers des gens du paradis. Et les gens ont dit Allahu Akbar, par joie. Et ensuite il a dit J'espère que vous allez constituer. Hein, donc, euh, le quart, ensuite après le tiers, et ils ont dit Allahu Akbar, par joie encore. Et ensuite, après, ils ont dit, après, il a dit encore, et j'espère que vous allez constituer la moitié des gens du paradis. Et ils ont dit encore Allahu Akbar, par le fait de la bonne nouvelle, de la réception hein, de cette information qui leur faisait tellement plaisir qu'ils s'en réjouissaient. Et ensuite, après, le prophète leur dit quoi leur dit, certes, vous êtes vous à l'exemple du poil noir sur la peau blanche d'un taureau. Ou bien vous êtes l'équivalent d'un poil blanc sur la peau noire d'un taureau. Et donc les qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à cela Ils te disent « Tafadallahu jalla fi'ula ala ummatil islam bifadlil adim fit dunya wal-ankhara »« Wa yubayinu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadal hadith hada al hadha al adim Haythu » Et certes, tu te rends compte qu'Allah a accordé un grand bienfait particulier eh bien, à cette communauté. Qu'il a fait en sorte que ce grand bienfait puisse toucher le croyant de son, dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Mais aussi que le prophète Mohammed t'a expliqué, t'a détaillé dans ce hadith eh bien, ce grand bienfait. Parce que juste si tu réfléchis à ce hadith... Déjà, tu te dis, mais regarde bien, c'est comme si on te disait, de l'ensemble des gens que vous constituez là maintenant, vous tous, eh bien, vous êtes perdus, en dehors de quelques personnes. Et ensuite, donc, ces quelques personnes, déjà, quand tu te rends compte que la globalité, par exemple, des personnes, pourrait constituer cette perdition, et que toi, tu fais partie donc des personnes secourues, déjà, c'est un grand privilège. Déjà, tu es touché d'un grand privilège, d'une grande grâce. De la part d'Allah. Alors, quand tu vois les gens aujourd'hui qui négligent leur foi, qui négligent leur adoration d'Allah alors qu'ils sont touchés d'un privilège exceptionnel par la foi, par la grâce d'Allah, par la guidance d'Allah, Allah il t'a choisi alors que tu n'as même pas décidé cela. Allah sûrement il t'a secouru alors que tu étais voué à ta perte. Allah il t'a montré la bonne voie et il t'a sorti des ténèbres vers la lumière alors que tu étais voué à la destruction. Et les gens ne se rendent pas compte de cela. Et ils négligent leur religion. Et ils négligent les droits d'Allah. Et ils se comportent de la pire des manières. Et ils pensent que tout est gagné et tout est acquis. Alors qu'ils font partie des privilégiés. Et le hadith, il te le démontre. Hein, Puisqu'il te dit du pourcentage sur 1999, subhanallah, 1% que vous vous constituez. Et Gog et Magog, comme vous le savez, c'est des peuples qui viendront à la fin des temps parmi les grands signes, al parmi les grands signes de la fin des temps, et qu'ils sont bloqués actuellement, ils ont été bloqués par duqarnaïm, comme cela est raconté dans surat al-Kahf. Il les a bloqués par la grâce d'Allah, par la force d'Allah, que Allah lui a accordé et la sagesse qu'il lui a accordée. Mais que ce peuple-là est un peuple destructeur, qui détruira tout ce qu'il y a sur son passage. Et où ils vont passer Ils vont tout ravager. Ils sont là pour la destruction. Et ils sortiront pour la destruction. Simplement, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que chaque jour, eh bien, ils essaient de traverser cette muraille que Boko a construite afin de protéger l'humanité contre ces gens-là. Et chaque jour, ils la creusent. Et ils y arrivent. À creuser à chaque fois. Mais lorsqu'ils reviennent le lendemain pour continuer, eh bien, cela est refermé. Pourquoi Parce qu'ils disent, on reviendra demain. On reviendra demain. On reviendra demain. Mais ils ne disent pas, inshaallah. Donc à chaque fois qu'ils reviennent, cela se referme. Jusqu'au jour où ils auront eh bien, une des personnes parmi les progénitures qui dira Eh bien, on reviendra demain, Inch'Allah. Et quand ils reviendront, eh bien, ce qu'ils ont fait la veille est resté en l'état. Et comme cela, ils vont réussir, quand Allah le décidera, eh bien, de briser cette barrière et de passer. Mais qui fait partie des grands signes de la fin des temps. Et donc, ils constituent la grande partie. Et la majorité des gens qui sont mentionnés dans ce hadith, pour dire à quel point imagine la situation. Parce que les gens, indépendamment de la foi de l'Iman Billah, le plus important c'est de te dire à quel point tu fais partie des privilégiés. En fait, le hadith, indépendamment de l'information, de la gravité de l'information et de la bonne nouvelle, du secours, en réalité, ce qu'il a à prendre en compte, c'est le fait du privilège. Le privilège que assez rarement il néglige, les petits comme les grands. Le privilège d'avoir la foi dans ton cœur, d'avoir la guidance, de savoir qui est Allah, d'adorer Allah, qui est un privilège incommensurable. Tu, vois, tu ne pourrais compenser ce bienfait qui te touche. Voilà le bienfait d'Allah Quoi que tu puisses amasser de ce bas monde, jamais tu n'amasseras meilleur que ces deux grands bienfaits que Allah Il t'a accordés. Et ces deux bienfaits, c'est quoi? Wa rahmatullah. Il y le Coran, Fadlullah, l'Islam, l'Islam, le fait d'avoir cette soumission à l'égard de ton Seigneur. Wa rahmatullah est la misère qu'a dans la qui constitue le Coran. Moi le Coran yahdililadhiri akwan. Le Coran huda. Ce Coran qui est une guidance, qui est une guérison de ce que contient les poitrines des maladies et des égarements, et qui est donc une miséricorde pour les croyants. Et il guide vers ce qu'il y a de plus droit, la rectitude au sommet même de la droiture. Et le croyant et l'adorateur d'Allah, ce hadith-là, il ne le médite pas. Pour lui, c'est un hadith parmi les hadiths qui mentionne euh, la catégorie des gens qui seraient voués à ceci ou cela. Sans faire d'introspection sur sa propre personne en se disant, « Subhanallah, min -muslim. je suis parmi les soumis. Je suis parmi ceux que Allah a décidé dans ce bas-monde d'être de ceux qui croiraient en lui. » Parce que ce n'est pas toi qui finalement a décidé cela à la base. Allah a décidé à rentrer, faire qalbik dans ton cœur, l'iman, la lumière et la foi. Ensuite, de là, toi, tu as choisi eh bien, euh, de l'appliquer et d'être croyant et de t'attacher à cela. Mais à la base, Allah, c'est lui qui guide. C'est cela le plus important. C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il t'apporte, même quand il nous rappelle, même quand Allah nous rappelle dans le Coran qu'il nous appelle à la demeure de la paix, d'Arassalam, qui est Al-Jannah, le paradis, eh bien, il te dit, Wallah, il a des que Allah il appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut sur le chemin de la droiture. Qui il veut Cela veut dire ce n'est pas les gens qui sont automatiquement guidés, qu'ils sont directement dans la droiture. Non, il guide qui il veut. Ce qui veut dire que lorsqu'il ne le guide pas, la personne n'est pas guidée. Lorsqu'Allah ne met pas, ne mets pas le, la, la foi dans le cœur de la personne, <coughs> tu peux l'emmener dans l'espace, tu peux lui montrer des miracles extraordinaires, tu peux lui ouvrir le ciel, et eh bien il dira Mais ce n'est que magie, hein, ce n'est que en sorcellerie, ce n'est que, euh, tu vois, un mirage, ce n'est pas vrai, j'y crois pas. Et cela, comme Pharaon, comme quand il ne croyait pas à des miracles qui pouvaient dépasser la raison qui démontrait par A plus B le fait que cela ne pouvait pas être fait par un être humain, que cela ne, prov ne pouvait provenir que d'Allah Et pourtant, il l'a refusé à cause de quoi L'orgueil. Tu vois, l'orgueil qui lui a fait eh bien, euh, baisser les yeux, éteindre sa raison, fermer son cœur. Et donc, il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas voir. Aveugle, sourd-muet, ils ne reviendront pas. Dans le sens où, quand Allah décide de fermer le cœur de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le guider. C'est parce que la personne refuse la guidance et refuse d'accepter la vérité, bon gré malgré le rappel et bon gré malgré les preuves évidentes. Et son obstinance quant au fait de garder cette position fait que Allah, à un moment, il lui ferme le cœur. Tu ne veux pas On ferme ton cœur. Reste dans ce que tu es. Nous avons recouvert leur cœur du au fait de ce qu'ils faisaient. Donc cela veut dire que tu fais, tu désobéis, tu refuses, tu rejettes, tu tournes le dos, et bien Allah à un moment, et bien il ferme ton cœur. Donc après, on peut, on peut te, te mettre une personne comme cela devant toi qui est morte, on la réveille devant toi, on la ressuscite devant toi, tu n'y crois pas. Non, oh, crois pas moi. Comme Isa Jésus, quand devant les gens, il ressuscitait les morts, il guérissait le lépreux, il parlait du berceau et pourtant les gens n'ont pas cru à lui. Croyez pas en lui. Ils avaient des cœurs avec lesquels ils ne comprenaient pas. Tu vois Allah là, a fermé leur cœur, leur cœur, tu vois? Leur cœur était fermé quant au fait d'entendre et de voir et de réceptionner la vérité. Donc ce hadith, il nous rappelle à quel point eh bien que le nombre de personnes dans dans comment dirais-je la génération humaine et notamment n'oubliez pas que Allah a parlé indirectement donc de ceux parce que cela c'est pas qu'indirectement Allah a mentionné dans ce hadith par le biais donc, des paroles du prophète Mohammed comme quoi et eh bien les gens sont parmi les gens donc de Gog et Magog mais qu'ils sont donc des enfants de Adam puisqu'ils sont tirés de l'humanité ce ne sont pas des gens que ce ne sont pas des êtres humains, on ne sait pas qui ils sont. La preuve on est qu'il a dit, voilà, au début, c'est tiré de cette génération, tiré de, cette, de la colonne vertébrale de Adam al donc cela veut dire de l'humanité, et ensuite, après, il a mentionné, ce sont parmi eux Gog et Magog. Donc il veut dire que ce sont des êtres humains, des êtres humains, mais qui ont, qui ont une, une caractéristique, qui ont une capacité particulière, qui sont d'un état particulier, euh, et voilà, mais qui sont un signe de la fin des temps quand la eh bien fera sortir quand il le décidera comme c'est prévu. Et donc cela doit te rappeler à quel point l'inquiétude parce que dans ce hadith quand tu réfléchis tu te dis regarde l'information l'enfant dont ses cheveux deviendront blancs la femme enceinte qui accouchera de par le fait de la panique et du stress les gens qui paraîtront ivres alors qu'ils ne le sont pas tout cela sont des signes pour te dire que la situation du jour de la résurrection sera terrible. Tellement terrible que les gens seront dans un état anormal. Et ceux qui sont dans un état particulier, eh bien, vont paraître anormaux par le fait de la conséquence de ce jour. Donc cela déjà. Et deuxièmement, le fait du privilège, comme on l'a dit, et le fait de ceux qui sont sauvés et de l'invocation, de l'espérance du prophète Muhammad, que comme quoi la Ummah, la communauté, puisse constituer la moitié des gens du paradis. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas que, aussi, des gens à proprement parler, qui sont parmi les musulmans, à proprement parler de ceux qui sont de la Ummah, puisqu'il dit la moitié des gens du paradis. Et on sait que tous ceux qui ont obéi Allah, dans le biais de leur prophètes et ont suivi leur prophètes et leur révélations feront partie aussi des gens du paradis. Donc, c'est pour dire, subhanallah, que le musulman doit prendre du recul et analyser ces informations pour se rendre compte à quel point lui, eh bien, il doit se rendre compte de cette grâce, de ce bienfait et que ces hadiths ne sont pas là juste pour te raconter une histoire. Ils sont là pour t'informer de choses très graves et importantes qui vont en venir et surtout, surtout que, comme quoi, en tant que toi privilégié dans la croyance, eh bien, tu te dois d'être reconnaissant. À l'égard d'Allah, Et la reconnaissance, à la reconnaissance, elle est par quoi Par l'obéissance à Allah, par le fait d'obéir à Allah, de te mettre dans l'adoration, de respecter les règles, de revenir vers Allah, de te repentir, des choses comme cela, de te remettre en cause, d'analyser ta situation. Tout cela, tout cela montrera de ta part le fait d'une reconnaissance quant au fait de la guidance. Et, et de ne pas te laisser leurrer, comme beaucoup, de croire que c'est normal que je crois c'est normal que je prie, c'est normal que je sois musulman, c'est normal que je sois guidé, c'est normal que le Quran, oui, j'y crois, c'est normal, tout est normal. Ce n'est pas normal dans le sens où c'est Allah qui a fait de cela un privilège pour toi, pour que tu acceptes. Puisqu'il y a des gens qui sont comme toi, peut-être même avec qui tu as grandi, peut-être même avec qui euh, donc, tu émanes dans le sens de la famille, des choses comme cela, et pourtant qui ne pensent pas comme toi, et qui ne suivent pas ce que tu suis, et qui n'acceptent pas ce que tu acceptes, et qui ne croient pas en ce que tu crois. Et pourtant, vous émanez hein, du même cocon familial. Donc ce qui prouve que eh bien, ce n'est pas le cas. Et combien de personnes souhaitent euh, passer ce message à leur père ou à leur mère ou à leur frère ou à leur sœur, qui ne croient pas en cela, qui n'acceptent pas cela, qui refusent cela eh bien, Si c'était aussi simple, eh bien ils le déciderait et puis cela serait. Mais non, c'est Allah qui décide. C'est Allah qui guide. Tu, vois tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc là, tu as la preuve encore une fois, comme quoi, tu n'as aucun pouvoir et c'est une grâce. Donc quand tu crois, tu acceptes, tu adores, eh bien, il ne faut pas que tu perdes cette grâce et que tu t'en rappelles et que tu agisses, comme on dit, hein, en conséquence.